Je n'ai retrouvé. En septembre 1982, les massacres de Châtillat ne furent peut-être pas déterminants. Ils eurent lieu. J'en fus affecté. J'en parlais. Mais si l'acte d'écrire vint plus tard, le temps d'incubation, l'instant ou les instants qu'une cellule, une seule, bifurquant de son habituel métabolisme, commença la première maille d'une dentelle ou cancer, dont personne ne soupçonne ce qu'il sera, ou même qu'il sera, je décidai d'écrire ce livre. La décision devint plus exigeante quand quelques détenus politiques me pressèrent d'écourter mes voyages, de diminuer mes séjours en France. Tout ce qui n'était pas ce livre me devint lointain, jusqu'à l'invisibilité. Page 502. Genet devait mourir 4 ans plus tard, alors qu'il corrigeait les épreuves d'un captif amoureux. Livre immense, hors des mensurations ordinaires de la littérature, ce qui peut expliquer, sans l'excuser, que tant de critiques soient passées à côté de sa véritable importance. Livre par vague. 10 fois, 20 fois, les mêmes scènes, les mêmes personnages y viennent en ressac, projeter de nouvelles épaves mémorielles. Souvenir, sous-titre modestement Genet. Souvenir qui devrait être lu comme un reportage, page 53. Image, précise-t-il en exergue, livre d'images, livre de marge, pour donner du chant à une polyphonie singulière où se noueront les dimensions les plus secrètes du poète. Je ne parle évidemment pas ici de sa sexualité qui, comme chacun sait, relève d'ores et déjà du patrimoine national et des luttes métaphysiques, conduites par les Fédaïnes et les Black Panthers, en contrepoint de ses vagabondages de toujours. La révolution palestinienne fut-elle écrite sur le néant, un artifice sur du néant, et la page blanche et chaque minuscule écart de papier blanc apparaissant entre deux mots, sont-ils plus réels que les signes noirs? Page 11. N'aurait-elle alors été pour lui, cette révolution, qu'un prétexte à faire de la littérature? Qu'est-ce qui le séparerait alors de tous ces poètes de la révolution dont il se moque si cruellement? Mais à l'évidence, ce passage par l'écriture de son expérience palestinienne n'est en rien comparable à une vulgaire entreprise de récupération littéraire. Il détestait tant d'être traité en homme de lettres qu'il semble que l'idée ne l'ait même pas effleuré au cours de l'incessant débat qu'il a mené avec lui-même tout au long de ce livre sur la légitimité de sa tentative, qu'il pourrait bien lui-même tomber sous le coup d'une accusation similaire. Ce refus viscéral d'une position d'écrivain qui lui imposerait de camper du côté bourgeois de la barricade, n'a bien sûr nullement échappé à Jean-Paul Sartre. Mais il n'en a pas moins appréhendé Genet sous un angle exclusivement littéraire et considéré que son destin l'appelait inexorablement à finir dans la littérature. De ce fait, à l'épreuve du temps, il apparaît que le colossal et somptueux monument, pour ne pas dire le mausolée qu'il lui a édifié sous l'espèce d'une préface de 700 pages, se révèle plutôt mal ajusté à l'envergure que le personnage devait ultérieurement révéler. Non que celle-ci soit trop ambitieuse. Mais pour avoir manqué, elle aussi, le ressort processuel de sa vie et de son œuvre. Selon Sartre, il aurait traversé 3 métamorphoses. Celle du voleur, celle de l'esthète et celle de l'écrivain, qu'il aurait fait successivement passer de l'acte au geste.
Gérard Courant, profession cinéaste, court-métrage, long-métrage et cinématon, son album de photos vidéo. Cadrage unique, film muet, depuis 10 ans, il tourne en 3 minutes 30 les têtes d'affiche de la scène mondiale, New York, Berlin, Cannes, une anthologie en 8 mm. Cinématon, c'était au départ de faire un film infini, un film comme on n'avait jamais fait, essayer de faire le film le plus long du monde. Aujourd'hui, il y a 850 portraits de filmés, ça dure 55 heures. Il y a eu des rétrospectives récemment, notamment à Montréal, on a tout montré en non-stop, c'était vraiment impressionnant. Et c'était faire quelque chose de complètement fou, de jamais fait. Le principe, c'est de mettre une personnalité connue pendant 3 minutes et demie devant une caméra, avec la liberté pour cette personne de faire ce qu'elle veut, en sachant qu'il n'y a pas de son. Alors là, on ne peut pas se cacher derrière le masque de la parole. C'est un peu un retour au cinéma muet. C'était un ami assistant qui m'avait dit « Viens, il y a une comédienne, future comédienne absolument étonnante, il faut que tu viennes la filmer pour le cinématon. » C'est son premier rôle à l'écran, elle est tout à fait émouvante. Elle passe d'un extrême à l'autre, de la joie à la tristesse. Harvey Wenders, je l'avais rencontré à Cannes en 1982. C'était à l'époque de Hamet, et il était très pris. C'était des interviews sans arrêt toute la journée, du matin jusqu'au soir. Ce qui est drôle, c'est qu'il fuit tout le temps la caméra du début à la fin. Et son portrait, en fait, ressemble beaucoup à ses films. Il y a une timidité, il y a une sorte de nonchalance comme ça qu'on retrouve beaucoup. Je suis une sorte d'observateur d'une classe, d'une catégorie socio-professionnelle qui est le milieu du spectacle. Je suis une sorte d'ethnologue.
l'air courant, la vue qui baisse. Hello, Morton. J'ai été invité là pour inaugurer. C'est Gérard Courant. C'est Gérard Courant. C'est le film le plus long de l'histoire du cinéma. Oui, mais ça serait peut-être un peu long. Hein. Et alors, Gérard Courant, il est à toutes les pages. Hein. Sauf la dernière page. C'est vraiment un truc pour Courant. Non, mais tu pourrais me filmer moins, parce que si tu filmes toujours Courant, c'est toujours Courant. Bon. Alors, attends, j'arrête mon truc, parce que toi, comme tu enregistres... Voilà. Tu peux couper, là. Tu peux couper, j'ai tout dit. Hein. Un quart d'heure plus tard. Je voulais déclarer que Courant est un salaud. Courant est un salaud. Non, non, mais Courant est un salaud. Et ça, je tenais à le dire. Et même à le répéter. Courant est un salaud. Bonjour Morder, tu veux que je te dise quelques mots? Écoute, je suis enchanté d'être ici ce soir. Et je trouve que Gérard a un sens médiatique certain. J'adore le gonflage. Ouais, c'est très bon, n'est-ce pas? C'est très bon. Bonjour docteur, comment ça va? Ça peut aller. Vous pourriez me faire une ordonnance? Hein. Oui. Vous êtes ravissant, vous voulez quoi? Thank you.
par de base, mais bon, par une sombre journée de l'an 4 de la République Morlock. Ce soir, pour la première de cette nouvelle série qui s'appelle Coup, je pense que le divorce avec Rosette, on le fera un peu plus tard. Et en tout cas, ce soir, je peux annoncer officiellement mes fiançailles avec Mariola San Martín. Sans que Rosette soit prévenue, je vous le signale. Wow. Ça, c'est... Voilà.